Une histoire Kamishibai, écrite et illustrée par Graziella. Les cloches de Pâques sont malades. À quelques jours de la fête de Pâques, malheur, toutes les cloches sont malades. Elles ont attrapé le tchoum tchoum ding dong, une maladie qui les fait éternuer et sonner à chaque fois. Elles ne peuvent pas livrer les chocolats dans cet état. Et c'est un gros problème. Allô? Ici la cloche en chef à l'appareil. Tchoum tchoum ding dong. Je suis désolée, je suis malade. Toutes mes filles sont aussi malades et ne peuvent pas livrer les chocolats cette année. C'est un gros problème. Tchoum tchoum ding dong. Au bout du fil, c'est Lapinou en chef. Il aide les cloches à livrer quand elles sont débordées. Mais jamais elles ne lui ont demandé de livrer tous les chocolats. C'est un gros problème. C'est terrible, dit-il à Pinouille son second. Comment allons-nous faire pour livrer tout le monde sans les cloches? Jamais nous ne réussirons à temps. Il y a vraiment trop de chocolat et nous ne sommes pas assez nombreux. C'est un gros problème. Lapinou se met à réfléchir à haute voix. Voyons un peu si... Non. Ah, mais oui, ça y est. Et si cette année nous demandions aux autres animaux? Et si on appelait les lièvres, les poules et les poissons? Ils seront bien d'accord pour faire plaisir aux enfants. Pinouille court tout de suite voir Monsieur Lièvre, le voisin, pour lui demander de l'aider. Monsieur Lièvre est un très grand sportif. Il entraîne ses levrots à la vitesse. C'est un défi que lui propose Pinouille et Monsieur Lièvre aime relever les défis. Il accepte sans hésiter. Oui, j'écoute. Que puis-je pour vous? Cote, cote. Allô, c'est Lapinou au téléphone. Les cloches sont malades. Elles ont attrapé le tchoum tchoum ding dong. Et sans elles, pas de Pâques. Pouvons-nous compter sur vous? Sans votre aide, c'est la catastrophe. Cocotte se met à caqueter. Mais bien sûr, cote-cote, nous allons vous aider, cote-cote, vous pouvez compter sur nous, cote-cote. Ah, c'est super, merci beaucoup, crie Lapinou dans le téléphone. Blop, blop, ici c'est Monsieur Carpe à l'appareil pour vous servir. Oh, bien sûr, je comprends. Et c'est avec plaisir. Bloup, bloup. Vous pouvez compter sur nous. Bloup. On sera présent pour la livraison des chocolats. Les enfants passent avant tout. Bloup. Le jour de Pâques arrive enfin. Tous les enfants découvrent avec joie dans leur jardin des chocolats en forme de lapin, de poule et de poisson. Ils sont tous là, bons et délicieux à souhait. Depuis ce jour, les cloches peuvent compter sur les lapins, les lièvres, les poules et les poissons pour les aider à livrer les chocolats chaque année à Pâques. Et elles sont bien moins fatiguées.
terminé les gros problèmes.